chers amis, bonjour. Nous sommes bien entendu très heureux de vous retrouver dans la cuisine de My Saveur. À mes côtés, Céline, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Je vais très bien, Céline. Quand tu es à mes côtés, je vais toujours très bien. Alors Céline, puisqu'elle est là, on va parler produits. Ouais, aujourd'hui donc on parle produits. Et là Willy, je vais te présenter un produit assez exceptionnel. Ouais. Donc c'est des tartines craquantes qui sont sans gluten et garanties, attention, sans 13 allergènes majeurs. Donc de quoi satisfaire, je pense, les plus exigeants. Hein. Ouais, 113, pas 113. Ouais, on élimine les 13, en fait, allergènes majeurs des tartines. Très bien. Donc Natine a créé des tartines gourmandes aux saveurs originales pour égayer avec légèreté, donc à la fois nos petits déjeuners, nos goûters, nos desserts, nos apéritifs, bref, en quelques mots, tous nos instants gourmands. Et d'ailleurs, on s'est amusé, là, juste avant cette émission, à faire des petites compositions, voilà, ouais. qui sont très gourmandes et vraiment très bonnes. Enfin, je dis on, tu, voilà. À réaliser cette tartine très sympa. Vraiment bravo, c'est très très chouette. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter surtout les trois nouvelles saveurs que Natine a développées. Donc la tartine gourmande cacao, qui essentiellement est là pour nous faire, par exemple, croustiller les petits déjeuners et les goûters. La tartine gourmande coco, qui, elle, est idéale à tout moment de la journée. Elle, ouais, est vraiment, on peut la grignoter un peu tout le temps. Dès qu'on a un petit creux, elle est là. Exactement. Et la dernière, donc la tartine gourmande au quinoa et au sel de Guérande, qui est une tartine originale qui est composée donc de cette fameuse pseudo-céréale donc, qui s'appelle le quinoa, qui est naturellement sans gluten et qui est reconnue pour ses hautes valeurs nutritionnelles. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait le quinoa, c'est un élément, je ne sais pas si tu le savais, un élément majeur de l'alimentation sud-américaine, dont le quinoa est originaire. Non, je ne le savais pas, mais voilà, maintenant, c'est fait. C'est fait, c'est dit. Alors, Céline, ce produit, cette gamme de produits est reconnue saveur de l'année et tu as eu le privilège d'accéder au rapport de test, ouais, et tu vas nous dévoiler, là, dans un instant, quelques commentaires recueillis auprès de ces consommateurs testeurs. Tout à fait. Hein? Donc, d'une manière générale, en fait, le point fort de ces trois recettes, c'est vraiment le côté croustillant des tartines. Les consommateurs sont vraiment unanimes là-dessus et même, plus que croustillantes, elles font en plus pas de miettes quand on les croque, quand on les casse. Donc ça, c'est très pratique. On n'en a pas plein partout. Et plus spécifiquement, concernant les tartines gourmandes cacao, donc les consommateurs apprécient le bon goût de cacao et la légèreté en bouche qu'elles apportent. Elles sont vraiment très légères. Les tartines gourmandes coco, elles ont un bon goût léger de noix de coco et sont agréables en bouche et peuvent se manger sans rien dessus à tout moment de la journée, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour finir, donc les tartines gourmandes au quinoa et au sel de Guérande sont goûteuses avec une pointe de sel qui est justement dosée et agréable. Donc un peu comme un biscuit apéro, on pourrait dire, qui, par exemple, se consomme avec voilà, un petit jus de fruits ou des choses comme ça. Et moi, je vais te dire, je les aime toutes, ces tartines. Voilà, la coco, la cacao, la quinoa et même les autres. Moi, c'est mon petit plaisir de, ouais, les grignoter comme ça tout au long de la journée. Tout à fait. Céline, ouais, fini pour today? Ben voilà, je pense que maintenant on peut aller grignoter oui, nos petites tartines. Oui, on va évidemment qu'on va les savourer ces jolies tartines. Céline, je t'embrasse, à très vite pour très de nouveaux produits. Et quant à vous les amis, bien entendu, on vous retrouve très prochainement pour de nouveaux produits. Bye bye, yeah, yeah.